Alors, j'ai eu un joli cadeau d'anniversaire et je vais tout de suite vous le montrer parce que je suis quelqu'un qui montre les cadeaux d'anniversaire. Comme vous pouvez le lire, c'est un véritable Polaroid de la marque Polaroid. Attention, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, hein. Voilà, donc, oh putain. Il est équipé là d'une pellicule, donc il faut que je fasse un test. Il faut le cacher automatiquement la lumière pour que le développement soit optimisé. J'ai appuyé, il y a eu le flash, donc maintenant je cache l'appareil. Je me suis un peu foiré, hein. L'idéal c'est de mettre sa main quand le truc sort pour cacher. Première seconde étant cruciale. Puis là je le mets dans ma poche pour lui donner de la chaleur. Il faut de la chaleur. Quand on est en dessous de 15 degrés, c'est tout clair si on ne le réchauffe pas. Au total, pour le développement, ça met au moins 1 minute. Je me caresse le cul. Si quelqu'un arrive par derrière, ça va le faire rire. Le temps de mettre la main, j'ai fait de la merde. Et ensuite je l'ai retourné, je l'ai mis dans ma poche. Il était encore un peu au soleil. J'ai foiré. Merde. J'ai foiré. Oh putain, j'ai niqué mes lunettes aussi. Oh non! C'est bon. C'est bon, c'est souple. Parce que ça donne une photo. Donc j'ai vu que sur le bleu il y avait des choses qui apparaissaient. Donc apparemment il y aura quand même une image. Le principe du Polaroid. Là, une femme voit que je me caresse les fesses, par exemple. Le flash prend systématiquement, c'est fait exprès. Si on veut, il y a une deuxième position. Vous voyez là, si j'appuie là, ça désactive le flash. Celui-ci en plus, donc, a le mode close-up. Voyez là, par exemple, j'ai pris une photo qui est cool, mais qui est trop claire. Je peux la faire en réglage plus foncé et inversement dans l'autre sens. L'armée, mais ça m'a l'air clair ce que j'ai fait de la merde. J'aurais dû la mettre là. Vous voyez? Là, je pouvais mieux frotter. Parce qu'en plus, j'ai vu avant de partir une vidéo, un mec, justement, il était dans une pièce à 16 degrés. Il prenait deux photos en même temps. Ce mec qui est équipé, il a plein d'appareils. Il en posait une sur la table sans rien faire. Juste, il a caché la lumière. L'autre, il a frotté avec ses mains. Bah, il y en a une qui était toute blanche et l'autre qui était bien. Et là, c'est un peu tard mon histoire. Dans la poche arrière, c'est bien si on n'est pas allongé en train d'expliquer ce qu'on fait et qu'il y a des vieux qui passent avec leur chien. Donc, la cartouche contenant la pellicule est équipée d'une batterie et celle qui alimente la machine ainsi que le flash. Donc il me reste 9 vues. Voilà, donc on va pouvoir filmer maintenant le résultat. Alors, ça, c'est une pomme de pin un peu à côté. Il y a des reflets. C'est moi, j'ai été pris. Donc on voit problème de contraste. Parce que l'opérateur a fait de la merde. Vous ferai une petite compilation des Q après que vous pourrez télécharger discrètement sans que votre IP soit marqué ni rien, il n'y a pas de souci. C'était un moment, petit instant Polaroid.